Bienvenue et heureux de vous revoir, de vous rencontrer pendant ce moment que nous avons ensemble, pendant cette émission « Viens et vois ». Je vous invite à venir et à voir les choses que Dieu nous révèle dans sa parole. Alors nous allons le faire avec de l'aide de Dieu et puis l'aide de Meki et d'Assen. Merci de ce que vous avez fait. Ce que vous prenez le temps d'être avec nous, de nous aider pendant ces émissions. Bienvenue. Et Dalila aussi, merci de ce que tu prends ce temps, hein, tu le mets à part, comme on dit, hein, tu mets à part pour nous assister, pour nous aider. Alors, et merci aussi à vous qui prenez le temps donc, de passer ce temps avec nous, de partager ce moment, même si vous ne participez pas d'une manière active, mais vous participez par votre présence. Nous le sentons et nous sommes avec vous. Merci. Alors nous allons demander à Dieu de nous donner la force, la sagesse. Seigneur Dieu, tu es véridique. Tu es réellement Dieu, créateur de la terre et des cieux. Et si nous nous approchons de toi, ce n'est pas parce que nous avons un mérite quelconque. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Au contraire, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs. Nous sommes passés par des moments certainement trop noirs dans nos vies. Mais tu nous as arrachés de ces ténèbres. Tu nous as fait sortir de cette vie noire. Et tu nous as fait grâce d'être dans la lumière de ton Fils Jésus-Christ. Et merci parce que c'est toi qui le fais, tu l'as fait au travers de nos vies et tu le fais encore, Seigneur, aujourd'hui, au travers de la vie de milliers et de millions de personnes dans le monde entier. Seigneur, merci de nous donner cette grâce de comprendre ta parole. Cette grâce, Seigneur, de la saisir et de la mettre en pratique dans nos vies. Nous te prions pour ceux et celles qui nous regardent, Seigneur, de les bénir, afin que ta parole puisse aussi les enrichir. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous avons vu, peut-être c'est bien de faire un petit rappel de ce que nous avons vu lors de l'émission passée, la dernière émission. Nous avons parlé donc toujours dans l'évangile selon Matthieu, comment Dieu l'a inspiré et l'a révélé à Matthieu. Alors nous avons vu que le Seigneur Jésus a envoyé pour la première fois ses disciples et les a Il leur a donné des instructions, il leur a montré comment faire, qu'est-ce qu'ils devaient faire, et particulièrement, il leur a donné aussi l'autorité d'accomplir, et la force, l'énergie d'accomplir la mission. Alors, nous allons continuer, et puis nous allons voir pendant cette séance, deux passages, l'un qui parlerait des difficultés que nous pouvons avoir dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, et d'autres aussi. Ce Seigneur, ce Dieu vivant, dont le nom est Emmanuel, comme nous l'avons vu, Dieu avec nous. Alors je demanderai à Dalila de nous lire à partir de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, versets 16 jusqu'à 23. Voici. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Gardez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi, devant les gouverneurs et devant les rois, pour leur servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et ils les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans cette ville-ci, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra.
Merci. C'est un passage assez, je dirais, qui nous révèle des vérités très difficiles. Oui, qui évoque les difficultés de la mission. Oui. Essentiellement. Ouais, essentiellement, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous, comment dire, nous simplifier les choses pour que nous puissions comprendre avant de passer à l'explication. Oui, c'est... Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Jésus donc emploie l'image de la brebis, et Dieu sait que la brebis est un animal particulièrement vulnérable. Vulnérable en l'absence du berger. C'est-à-dire vulnérable ? C'est-à-dire une proie facile, en l'absence du berger. Oui. Sans défense. Sans défense, oui. Peut-être que je donnerai un petit exemple. J'étais berger quand j'étais petit. Oui. Ouais. Alors, nous n'avons pas de loups en Algérie, mais il y a des chacals. Alors là, ils se régalaient quand les brebis s'égaraient. Oui. Surtout pour ceux qui avaient un troupeau, un grand troupeau, tant qu'ils ne savaient pas, de temps en temps, il y a une brebis qui s'égare et le berger ne se rend pas compte tout de suite. Et là, vraiment une image, oui. Enfin, c'est difficile, ça fait vraiment de la peine à y penser. Bien, donc le Seigneur nous dit que nous sommes des brebis au milieu des loups. Des loups. Oui. Donc, ce que Jésus voulait dire à ses disciples, c'est que vous n'échapperez pas à la persécution, vous n'échapperez pas à tous les opposants à l'Évangile. Quand une personne, un disciple de Christ, un chrétien authentique, qui partage simplement sa foi, peut être en face de personnes, d'interlocuteurs, qui sont opposés à l'Évangile. Alors cette personne peut aller en prison. Et ce que je peux dire, c'est que cette situation existe encore aujourd'hui. Partout dans le monde entier. Partout dans le monde, ouais. Il y a des situations tristes. Et je me demande, on peut se dire naturellement, pourquoi ? Mais Jésus nous a enseigné. Et il nous encourage à dire, à rester accroché à lui et d'être conscient que nous pouvons passer par ces situations. Mais les conditions qu'il, je dis pas les conditions, les situations qui sont citées ici, même au niveau de la famille, on aurait des persécutions, on aurait des difficultés à vivre sa foi, je dirais, Alors, dans toute la liberté. Oui. Alors, c'est pas systématique. Dans la mesure où c'est pas tous ceux et celles qui feront confiance et qui se convertiront à la foi en Jésus qui vivront ces persécutions. Ce qui est exprimé ici, c'est que l'Évangile, qu'on le veuille ou non, amène une ligne de démarcation, amène une séparation entre les ténèbres et la lumière. Ça, c'est inévitable. Et ce serait être naïf que de croire qu'un authentique disciple va mener une vie tranquille, paisible, sans accroc, sans difficulté, sans adversité et sans hostilité. Mais je dirais, il ne faut pas rester sur cela. Ce que nous dit ici Jésus, c'est que nous devons faire preuve, nous, d'habileté, de discernement, discernement qui nous permet de discerner les temps et les occasions pour témoigner, d'une part, et de gérer au mieux les situations difficiles. C'est cela qu'il nous dit. Il nous dit également que la persécution, la difficulté, finalement, vont nous offrir des occasions de témoigner. Puisqu'on le voit bien, lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. D'accord. En d'autres termes, après tu prendras la parole, en d'autres termes, même au cœur de la persécution, Dieu la permet pour pouvoir rendre témoignage à la vérité. Amen.
C'est ça. Bon, je vais rebondir sur ce que tu as dit, mais tu as répondu à la fin de ton intervention. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour les auditeurs quel est le message de l'Évangile et qu'est-ce qui va amener des personnes justement à traverser ces situations? Je ne dis pas toutes les personnes, mais il s'agit là de situations précises et aujourd'hui on le vit dans certains pays où des chrétiens, des témoins de Christ vont passer par ces situations. Mais qu'est-ce qu'un chrétien témoigne? Quel est le message du chrétien? Alors son message est avant tout un message d'amour, un message de paix. Et nous ne sommes pas là pour prendre des armes pour nous défendre, de la même manière que d'autres situations. Nous avons un message d'espérance, parce qu'en réalité, nous savons qu'en dernier lieu, Dieu, c'est lui qui viendra dans la personne du Christ pour venir juger un jour toutes les situations. Et c'est pourquoi le chrétien a cette espérance en lui. Et quoi qu'il arrive, il a la garantie de la présence de Dieu dans sa vie et d'être soutenu au milieu même de ses épreuves, comme il est dit dans ce texte. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, mais le Saint-Esprit vous aidera. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez des personnes qui sont passées par des moments comme ça, difficiles, à cause de leur foi? Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques exemples? Et puis nous passerons justement à la deuxième, je dirais à la deuxième tranche de cette émission qui justement nous donne d'autres informations, comment pouvoir agir. Et... Des exemples, nous en avons plusieurs. Des gens qui soient en Russie, au Japon ou dans des pays de l'Asie du Sud-Est ou dans le monde arabo-musulman, des frères, des sœurs qui ont eu maille à partir, qui ont été mis à l'index à cause de leur foi, non pas à cause de transgression de la loi, parce que bien souvent ces gens-là sont des citoyens exemplaires, des citoyens modèles, surtout dans le domaine de l'intégrité, de l'honnêteté. Et ce sont souvent des personnes qui participent activement à la richesse du pays. Simplement, oui, des exemples, il y en a. Mais je voudrais juste revenir, parce que c'est là pour moi l'essentiel, c'est cette promesse que Jésus fait. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Et tous ces gens-là ont dans leur témoignage un point commun, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Bien. Alors, je vais juste enchaîner. Alors, je demanderai à Dalila de nous lire à partir du verset 24 jusqu'à 33. Justement, c'est juste pour voir ce que tu venais de dire à Seine. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont surnommé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux moineaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Merci. Je me rappelle d'une situation, je suivais une formation d'enseignants, c'était en Algérie, et puis le professeur m'a posé une question me disant, alors et toi, tu es chrétien? Bon, ça fait des années, hein, ça fait à peu près 87, à peu près 85, je crois.
Et puis, j'ai regardé. Le professeur, c'était une dame, était très, très gentille. Mais en me posant cette question, et toi, tu es chrétien? Bon, la situation était bien entendu. Pour moi, c'était très, très difficile. Je l'ai regardé bien dans les yeux. Je lui ai dit, oui, madame, je suis chrétien. Parce que ce verset m'est revenu. Mmh. C'est lui qui me renie devant les hommes, je le renie devant mon père et devant... À ce moment-là, j'aurais voulu dire, Seigneur, fais qu'elle retire ces mots, comme si elle ne les a pas prononcés. Mais j'étais en quelque sorte figé. Mais puis j'ai dit, oui, madame, je suis chrétien. Mmh. Oui. Enfin, c'est juste une petite parenthèse. Alors, à Seine, donc, tu parlais tout à l'heure donc, de l'assistance, donc, du témoignage des frères et des sœurs qui sont passés par des moments difficiles, de l'assistance justement de Dieu, de l'intervention de Dieu. Alors, je te donne donc la parole hein, pour continuer. Oui. Ici, le raisonnement de Jésus est le suivant. Puisque tout doit être révélé lors du jugement dernier, et que les actes des persécuteurs seront de toutes les façons dévoilés, les disciples ne devront nullement craindre de proclamer publiquement, le moment venu, ce que Jésus leur a confié en secret. C'est-à-dire toutes ces vérités, tous ces principes du royaume, au moyen de son enseignement. Et alors, tu évoquais l'exemple, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant le Père. C'est vrai, puisque Jésus le dit lui-même. Mais alors, de quel type de reniement parle-t-on? Moi, je crois que ce reniement-là dont il est question, c'est plus le reniement d'un mode de vie, d'une pratique où l'on se dit disciple et en réalité, on se trouve à des années-lumière de l'enseignement du Maître. Parce que fort heureusement, on a l'exemple de Pierre qui, trois fois, a renié le Maître. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait peur. Et Jésus, plutôt que de contenir... ou de retenir et de reprocher ce reniement, va l'amener sur la voie de la guérison. Mais la vie du chrétien, c'est une question de persévérance. Et j'aime ce terme persévérance parce qu'il signifie en grec hypomoneo, c'est-à-dire être sous une charge. Et effectivement, avec l'aide, avec l'assistance du Saint-Esprit, nous sommes appelés à tenir ferme, à n'avoir aucune crainte, parce que Dieu se préoccupe de notre vie. Alors il nous amène, connaissant cette situation, il nous amène et nous encourage à ne pas craindre ceux qui tuent le corps. Et donc, il parlait de la peur, ce que la peur peut nous amener jusqu'à même renier Jésus, et cette peur qui est là dans le fond de tout être humain, à cause de la violence, à cause de ce que l'on peut nous faire, eh bien, Jésus va nous dire, prenez courage, il ne faut pas les craindre. Et de toute la finalité, c'est Dieu qui aura le dernier mot, et qu'il ne faut vraiment pas craindre, et garder la foi et l'espérance en Jésus, et c'est lui qui donne la foi, la force. Ne parle-t-il pas là précisément aussi hein, du martyr? Oui, martyr qui, encore une fois, martyreo en grec, qui veut dire témoigner. Oui. Voilà. Alors, encore une fois, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il suffit au disciple d'être comme celui qui l'enseigne, au serviteur comme son maître. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ni le serviteur supérieur à son maître. D'accord. Mais notre vocation n'est pas le martyr. Non. Notre vocation, c'est de rendre témoignage à la vérité et d'annoncer la bonne nouvelle. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les premiers chrétiens, il y a eu des chrétiens qui ont donné leur vie pour apporter un témoignage. Il y a certaines personnes qui passent par le martyr. Dans Actes, nous avons le premier martyr chrétien, Étienne, qui était un homme rempli de l'esprit, sur lequel on disait... Mais il est un ange, une lumière rayonne de lui, il parle vraiment extraordinairement des choses de Dieu.
Et on l'a lapidé parce qu'il disait des choses extraordinaires, mais qui remettaient aussi en cause ceux qui l'accusaient. Vous avez crucifié Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et lui, justement, au moment de mourir, à ce moment même, Dieu est venu l'encourager, le fortifier. Pourquoi ? Parce qu'avant de mourir, il a vu le Jésus assis à la droite de Dieu. Dans toute l'histoire de l'Église, les chrétiens ont eu maille à partir avec les pouvoirs en place, les pouvoirs politiques. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est que les disciples sont invités à ne pas avoir peur, car Dieu est le juge suprême. Il est le juge suprême, c'est lui qui tient toutes choses en son pouvoir. C'est ça, même au cœur même d'une persécution, Dieu a la maîtrise sur les événements, sur les circonstances. Non seulement il tient toutes choses en son pouvoir, mais les disciples ont une grande valeur à ses yeux. Est-ce que ce ne serait pas une faiblesse de ne pas justement se défendre contre les persécuteurs, de se défendre par les armes, se défendre par, je dirais, par les puissances que l'on peut avoir entre nos mains, etc. Est-ce que ce ne serait pas une... Du tout, puisque le règne de Dieu est un règne d'amour et de paix. Voilà. L'aveu de faiblesse, c'est de mettre en place des structures, des dispositions, quelles qu'elles soient, pour empêcher les hommes, les femmes de vivre librement leur foi. Ça, c'est un aveu de faiblesse. Parce que si on les en empêche, c'est qu'on craint quelque chose. Et que craint-on lorsqu'on est un citoyen modèle? En d'autres termes, ou plus précisément, que peut-on craindre d'un citoyen modèle? Mais est-ce que... Qui pense peut-être différemment, qui a des convictions religieuses différentes de la majorité. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler justement de la lutte de la vérité contre le mensonge, de la confrontation de la lumière des ténèbres contre les ténèbres. Absolument. Et d'ailleurs, pour rebondir encore sur cela, s'ils ont qualifié le maître, en fait, quelque part, l'argument, s'ils ont qualifié le maître de la maison de Belzébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison? Et quelque part, c'est ça, le subterfuge, la ruse de l'adversaire, c'est d'utiliser un argument, finalement, qui lui est propre. Alors, Belzébul, c'est... C'est le chef des démons, c'est un des noms du diable. Voilà, tout simplement, voilà. Donc, c'est... Le diable a la technique, je dirais, de noircir les autres pour se rendre un petit peu blanc. Sans doute. C'est-à-dire pour faire en sorte que dire, c'est parce que c'est facile de dire que l'autre est méchant, c'est facile de dire que l'autre, pour se donner une image de quelqu'un de bien, de quelqu'un de sérieux, de quelqu'un de... Mais Jésus... lui qui était la plénitude de Dieu, qui est la puissance de Dieu, a averti les disciples en disant « Tenez-vous prêts, soyez fermes, car cela adviendra. Mais ces persécutions, je vais les utiliser comme des occasions pour rendre témoignage. » Il y a quelque part un verset qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dans les propos de Jésus, c'est Jésus avait dit à un moment donné, si mon royaume n'était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour moi. Oui. Mais Jésus n'a pas cherché à cela. Il a dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et nous, en tant que chrétiens, notre royaume n'est plus de ce monde. Même si nous sommes sur la terre, nous devons avoir les caractéristiques
de ce royaume à venir. Nous l'avons déjà aujourd'hui dans notre vie, comme Christ habite en nous, mais nous l'avons aussi dans cette espérance merveilleuse où nous allons un jour définitivement être dans la présence continuelle, permanente de Dieu. Donc, l'encouragement que Dieu nous donne, c'est notre royaume n'est pas de ce monde. Donc, ne combattre pour essayer de subsister n'arrangera rien du tout. Par contre, continuer à être ces témoins qui glorifient Jésus, cela est bon pour, par rapport au message de Dieu. Et ça a de la valeur dans toute l'éternité. Et ça, c'est valable parce que ça glorifie Dieu. Ils me glorifieront. Alors, juste très, très, très court, est-ce que vous connaissez des personnes, je regarde un saint, je regarde un Meki, hein, pour les anecdotes, je regarde plutôt un Meki, hein, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont été rejetées, qui ont été par... Il y en a pléthore, il y en a beaucoup. Des personnes que tu connaissais toi-même J'ai entendu déjà un témoignage d'une personne qui a été emprisonnée à cause de sa foi et le jour J de son exécution qui devait se faire, n'a pas pu se faire. Parce que le jour même, comme vous connaissez, je ne vais pas nommer et citer le pays, mais dans sa prison, il a dit « Aujourd'hui, c'est le jour de mon exécution. Eh bien, Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. » Et ce jour-là, il y a eu une guerre, une invasion quelque part, et la prison, elle a été détruite, ce qui fait qu'il a pu sortir tranquillement. Et certains, ouais. N'ont pas été délivrés. Ouais. Ils ont rendu témoignage à la vérité. De la vérité, voilà. Oui. Alors, nous allons terminer avec ce témoignage. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et sachant qu'en disant ces mots, il parle aussi des ténèbres, c'est-à-dire que dans le monde, il y a les ténèbres. Et il y a constamment une lutte entre la lumière qui est Jésus-Christ et nous qui sommes les enfants de lumière contre ceux qui sont dans le monde et qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus. Mais sachez une chose, c'est que Dieu va vous faire sortir si vous passez par des moments difficiles. Dieu est avec vous. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dieu est fidèle. L'un des noms de Dieu est « Emin ». Cela veut dire « le fidèle ». Et Dieu qui a dit ces choses au travers de ses serviteurs, il va être avec vous. Il va vous fortifier, il va vous édifier. Rendez témoignage à la vérité. Vivez l'évangile, vivez en tant qu'enfant de Dieu, en révélant ses caractéristiques. Dieu va vous faire vaincre. Il a vaincu et va vous donner encore la victoire. Que Dieu vous bénisse et j'espère vous revoir la prochaine fois. Au revoir.